la disparition de Patricia Wilson remonte à l'été 2012. Le 22 août, d'importantes traces de sang sont retrouvées à son domicile, mais il n'y a aucun signe d'effraction et pas de corps. La sexagénaire britannique est introuvable. Bonsoir, l'anglaise et le jardinier. Ce pourrait être un titre de roman à l'eau de rose, mais dans le cas présent, l'eau a la couleur du sang. Celui de Patricia Wilson, une ressortissante britannique qui croyait avoir trouvé dans un village retiré de l'Aveyron son coin de paradis, un lieu où elle pourrait passer de longues années et peut-être y finir ses jours. Ce fut le cas à l'été 2012, mais de la pire des manières, assassinée dans la maison de ses rêves. 19 ans après, son corps n'a jamais été retrouvé, mais la justice s'est passée dans cette affaire. Son jardinier, qui était également son amant, Jean-Louis Cayrou, a été deux fois condamné à 30 ans de prison. Un homme qui a toujours nié le crime, choisissant la plupart du temps de se murer dans le silence. Les deux procès ont ainsi apporté davantage d'interrogations que de réponses. Il continue ainsi de planer sur cette affaire, un air d'inachevé, comme si le puzzle n'était pas tout à fait complet. Que s'est-il vraiment passé dans la maison de Patricia Wilson? Que cache le mutisme forcené de son jardinier? Nos invités vont nous aider ce soir à tourner les pages de ce curieux dossier. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Ce soir dans l'heure du crime, l'assassinat de Patricia Wilson, une Anglaise installée dans un coin paisible de l'Aveyron, un endroit où rien ne peut vous arriver, sauf, dans le cas présent, ne plus donner signe de vie dans la touffeur de l'été 2012. Ce mercredi 22 août 2012, deux voisines de Patricia Wilson se demandent pourquoi celle-ci est invisible depuis deux jours. Ces Néerlandaises habitent tout près de la Britannique, le village pittoresque de Wabre-Tizac, à quelques kilomètres de Villefranche de Rouergue. 400 âmes, dont une quarantaine d'étrangers, qui achètent et retapent ici de vieilles maisons. Patricia Wilson, 58 ans, en fait partie. Avec son mari, dont elle est séparée, elle a acquis 4 ans auparavant cette demeure en pierre sèche, cachée par la végétation, au lieu dit les Landes Basses. Elle vit seule ici. Les Néerlandaises sont déjà passées le lundi et le mardi. Cette fois, elle décide de lui rendre visite. La voiture de Patricia est stationnée au bout du chemin. Dans le jardin, elle tombe sur les deux chats de la propriétaire. Ils semblent errer. Les femmes s'avancent, mais au moment d'emprunter les 4 marches de pierre qui mènent à la porte d'entrée, elle repère des traces brunâtres, c'est du sang séché. Personne ne répond à leurs appels, la maison est vide. La gendarmerie de Rieupeyroux est alertée. Les gendarmes ont tout de suite la conviction d'avoir affaire à une scène de crime. Tout d'abord, Patricia Wilson est introuvable, mais surtout, il y a du sang un peu partout dans la maison, du sang en abondance. À l'étage qui sert de grenier, sous un tas d'affaires, les enquêteurs de l'identification criminelle tombent sur une immense flaque de plus de 90 cm de diamètre. La victime a dû rester ici un bon moment car son sang a ruisselé entre les lattes du parquet. Il a même traversé le plafond du salon et s'est déposé sur le sol. Les gendarmes décomptent pas moins de 23 points qui comportent des traces de sang. Celui de Patricia Wilson, comme vont le confirmer les expertises. La victime a de toute évidence été tirée à l'extérieur de la maison par le tueur, qui a dû ensuite emporter le corps dans un véhicule. Il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a mal tourné, rien n'a été dérobé dans la maison. La dernière personne à avoir vu Patricia vivante, c'est sa compatriote et amie, Fiona McKinley. Elles étaient parties quelques jours ensemble en Angleterre. Fiona dit avoir déposé Patricia chez elle le 17 août vers 19h30. Bonsoir François Barrère. Bonsoir Jean-Alphonse, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Midi Libre, vous avez longuement enquêté sur cette affaire que vous connaissez bien, et vous avez suivi les mécanismes et les rouages de ce dossier. Vous êtes spécialisé d'ailleurs dans les dossiers de justice et de police pour votre journal Le Midi Libre. Alors je parlais d'un lieu plus que tranquille, ce village de l'Aveyron. Il y a beaucoup d'Anglais qui habitent, etc., comme toujours dans cette région. Est-ce que vous pouvez nous dire, François Barrère, déjà, qui est Patricia Wilson? Qui est cette femme? Patricia Wilson, c'est une Britannique qui a 58 ans,
et qui est venu, qui vivait en couple en Angleterre avec Donald. Mm-hmm. Et en 2008, ils ont décidé de s'installer en France pour changer de vie. Ils avaient un peu, c'est tous les deux des personnalités un peu fortes. Ils avaient sans doute un peu trop tendance à peut-être à boire un peu trop par moment, notamment Donald. Et donc Patricia s'est dit, ben on va changer de vie, on va un peu redémarrer. Et donc ils s'installent dans l'Aveyron, dans ce petit village. On est dans le Rouergue, c'est une zone vallonnée, boisée, très agréable où il fait bon vivre. Et ils ont acheté cette maison de la Lande Basse, qui est une maison. Avec un grand terrain, un petit bassin derrière, il n'y a pas de clôture du tout, c'est une maison très facilement accessible en fait. C'est une très jolie maison, hein. On voit les photos qui ont été faites après le crime, c'est effectivement un endroit magnifique. Son mari, le monsieur Donald Marcus, il travaillait lui dans l'immobilier en Angleterre, il est reparti lui à ce moment-là, hein, au moment de la disparition de Patricia Wilson, il n'est plus sur place. Hein. Oui, effectivement, il est plus là parce que après s'être installé en fait dans l'Aveyron, il a un problème de santé en fait qui s'est manifesté depuis plusieurs mois et en fait il a une maladie invalidante qui est en train de se développer, donc il est reparti en Angleterre notamment pour se faire soigner, pour se faire diagnostiquer, et donc il n'est plus là depuis plusieurs mois, et pendant son absence Patricia déprime un peu en fait. Oui, voilà, c'est ça. Elle est toute seule, oui évidemment, elle est toute seule, elle a quelques amis hein, dans le village, Fiona, ses amis hollandaises, mais bon voilà, si ouais, elle tourne un peu en rond, elle tourne un peu en rond, voilà. François Barrère, qu'est-ce qu'elle nous dit cette scène de crime. Il faut bien repréciser qu'il n'y a pas de cadavre, hein. On ne trouve pas de corps. Par contre, il y a du sang vraiment, je le décrivais, en abondance. Hein. Alors, il y a des traces de sang dans la maison, et ce qui est surtout frappant, c'est que c'est plus une trace de sang, c'est une flaque en fait qu'il y a au grenier. Une flaque qui a été dissimulée très méthodiquement sous des tas d'objets qui ont été entassés sur cette évidemment pour la dissimuler. Mais il y a eu tellement de sang que le sang a traversé le plancher du grenier, hein. Et a coulé à nouveau au premier étage. Et puis il y a des traces de traînée aussi par la porte de derrière. Qui donne derrière la maison, et les gendarmes vont aussi constater que il y a sans doute une voiture qui est venue juste derrière l'escalier qui sort, où on trouve des traces de sang. Et donc le scénario qu'ils établissent, c'est que Patricia a été tuée, peut-être dans ce grenier, et qu'ensuite quelqu'un, une personne ou des personnes ont sorti son corps de cette maison pour sans doute l'évacuer dans une voiture et l'emmener quelque part où pour l'instant on ne l'a toujours pas retrouvé. Est-ce qu'on trouve, François Barrère, l'arme du crime? Est-ce qu'on sait comment la propriétaire des lieux aurait pu être tuée? Non, à ma connaissance, il n'y a pas d'objet qui soit identifié par les gendarmes comme étant l'arme du crime potentiel. Et encore un mot, François Barrère, il faut le préciser et le repréciser, c'est pas un cambriolage, hein, la maison elle est en ordre à l'intérieur. La maison elle est en ordre, et puis rien n'a disparu, rien n'a bougé non plus. On a l'impression que Patricia est arrivée d'Angleterre où elle avait passé quelques jours, qu'elle a posé ses affaires, qu'elle s'est, je crois, servi un verre de vin, et puis que tout s'est arrêté, la vie s'est arrêtée à ce moment-là, en fait. Et que la mort est arrivée, finalement. Les gendarmes ne vont pas perdre de temps pour en savoir plus sur Patricia Wilson et surtout connaître ses visiteurs habituels. Un profil attire immédiatement leur attention, c'est celui d'un gars du coin, un jardinier un peu marginal, un dénommé Jean-Louis Cayrou. Les gendarmes interrogent l'entourage de la disparue. Patricia Wilson, une ancienne publicitaire, n'était pas une femme secrète. Elle aimait recevoir et se rendre chez des amis pour partager un verre de vin ou un dîner. Elle ne cachait pas grand-chose de sa vie. Il apparaît ainsi que l'Anglaise vit séparée de son mari Donald Marcus depuis le mois d'octobre 2011. Leur couple battait de l'aile. Une situation aggravée par le mauvais état de santé de Donald, qui souffre d'une sclérose en plaques. À cette époque, Patricia s'est retrouvée seule dans la maison, a débuté alors une liaison avec son jardinier,
Jean-Louis Cayrou, 51 ans. Ce dernier est né dans la région, il est divorcé depuis plusieurs années. Un solitaire qui loge dans une caravane stationnée au lieu-dit de Campels sur la commune de La Salvetta-Perales. Il entretient les jardins de nombreux Britanniques installés dans le coin. C'est dans un restaurant qu'il avait fait la connaissance de Patricia Wilson qui recherchait alors un jardinier. Les enquêteurs apprennent que Cayrou était très pressant avec la victime, trop même. Celle-ci avait donc décidé d'interrompre leur relation. 5 jours après la disparition, Jean-Louis Cayrou, qui sait que son nom circule avec insistance, se présente de lui-même à la gendarmerie de La Salvetta-Perales. Il trouve porte close et patiente dans sa voiture avant d'être reçu. Il pensait faire une déclaration, mais il est aussitôt placé en garde à vue. La médecin qui l'examine note des traces de griffures parallèles sur son torse et une blessure à la main. Le jardinier explique avoir chuté à vélo dans des ronces. Il dément toute implication dans la disparition de Patricia Wilson. Il ne l'a pas tuée et il n'a pas caché son corps. Il ne nous aide pas beaucoup, indique alors Patrick Desjardins, le procureur de Montpellier, au journal Le Midi Libre. La voiture du jardinier, une Renault Laguna, est examinée par les experts avec le procédé chimique Blue Star. Elle présente des taches de sang sur le volant, la boîte à gants est dans le coffre. L'ADN de Patricia Wilson et celui du jardinier seront détectés, notamment sur un tendeur retrouvé dans le coffre. Des amis de Patricia affirment que la rupture de la jeune femme avec le jardinier a été houleuse. Ce dernier l'a harcelée au téléphone. Fin juin 2012, dans la nuit, il aurait coupé l'électricité de la maison, serait rentré dans sa chambre, aurait fait semblant de l'étouffer avec un oreiller en lui disant « Je fais ça pour te montrer que tu as besoin d'un homme à la maison ». Le samedi 25 août, Jean-Louis Cayrou est mis en examen pour assassinat par la juge de Montpellier, Cécile Yule-Payès, et il est écroué. Bonsoir Maître Jacques Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Jean-Louis Cayrou qui vient de faire son entrée en scène, si je puis dire, dans cette affaire. Il ne se cache pas à l'époque puisque c'est lui-même qui va se présenter à la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Maître Lévy, qui est Jean-Louis Cayrou exactement ? De quoi vit-il à l'époque ? Comment est-il ? Jean-Louis Cayrou n'est pas un sauvage, c'est un imprimeur de formation qui s'est réfugié dans son pays natal, qui est l'Aveyron, et dans lequel il a décidé de devenir plutôt jardinier, homme à tout faire chez les Anglais, et il a une clientèle assez importante qui lui permet de vivre confortablement de son travail. Or, Jean-Louis Cayrou n'est pas, comme on voudrait le présenter, comme quelqu'un d'inconséquent, quelqu'un de superficiel et quelqu'un qui n'a pas de réflexion sur sa façon de vivre. Il n'y a aucun problème pour Jean-Louis Cayrou au moment où ce drame arrive. À tel point d'ailleurs que le juge des libertés va le libérer. Mmh. Et c'est un des éléments importants de ce dossier, c'est que dans un premier temps, Jean-Louis Cayrou a été remis en liberté. Le parquet a fait appel et a voulu le réincarcérer. Mais les charges contre Jean-Louis Cayrou sont faibles. Ouais. Pas qu'il n'y en a pas, elles sont faibles. Alors, elles sont faibles, certes, mais le fait est que lorsqu'il se présente à la gendarmerie, il est immédiatement placé en garde à vue. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'ores et déjà, alors que là, on est à 2 jours après le crime, les gendarmes, les enquêteurs ont des certitudes ? Absolument. Depuis le début dans ce dossier, les gendarmes ont la certitude que c'est lui le coupable, sans pour autant en rapporter la preuve. Et c'est une véritable difficulté de ce dossier, qui est malheureusement c'est traduit par deux décisions extrêmement graves contre Jean-Louis, qui malheureusement aussi lors de ses procès n'a peut-être ne s'est pas assez exprimé. On va en parler, maître, des procès. On va y revenir. Pour l'instant, j'aimerais qu'on reste à ce début d'enquête. Les gendarmes vont très vite, quand même, maître. Hein. Ils vont tellement vite qu'il y a un cambriolage dans la maison et qu'ils ne se préoccupent absolument pas de ce cambriolage. Et ce cambriolage est mystérieux car on ne sait pas pourquoi il a eu lieu. Et ce cambriolage s'est passé alors que Cayrou est détenu. Et là, on n'a pas cherché le moindre monde qui aurait pu cambrioler.
ça, c'est l'autre aspect du dossier. Et Jean-Louis Kerrou dit aussi que lorsqu'il était sorti de la maison, il avait vu un véhicule. Il avait vu un véhicule, oui. On l'a pas cherché. Ouais, c'est ça. Et ça, effectivement, c'est un point qui va revenir dans le dossier. On a François Barrère, qui est notre invité ce soir en ligne à l'heure du crime, journaliste au Midi Libre. François Barrère, il y a beaucoup de relevés téléphoniques qui sont faits par les gendarmes, où on s'aperçoit que l'intéressé téléphone beaucoup à son employeuse, à Patricia Wilson. Alors c'est vrai que la téléphonie va jouer un rôle, à mon avis, capital dès le départ dans cette enquête, parce que les gendarmes remarquent que le couple s'appelle beaucoup, et puis qu'à partir du moment où ce qui semble correspondre à la décision de Patricia de mettre un terme à leur relation, et au moment où elle va passer quelques jours en Angleterre, il n'y a plus que Jean-Louis Kerrou qui appelle. Il n'y a plus que Jean-Louis qui appelle Patricia. Elle ne le rappelle jamais. Elle rentre dans sa maison et le soir du crime, il y a plusieurs appels successifs entre 19h30 et 21h à peu près de Jean-Louis Kerrou qui l'appelle. Alors est-ce qu'il laisse des messages sur son répondeur? Apparemment, les conversations sont très courtes. Mais pour les gendarmes, c'est un point capital, d'autant qu'après ce soir-là, il n'y a plus aucun appel. C'est ça. Jean-Louis ne la rappelle jamais, comme s'il savait que ça ne servait plus à rien de l'appeler. Donc évidemment, pour les gendarmes, c'est un élément extrêmement important. Oui, c'est un point d'interrogation majeur qui se dessine. Ce que vous nous dites là, François Barrère, que finalement le scénario qui se dessine, c'est celui d'un homme qui ne supporte pas une rupture amoureuse, c'est ça? C'est ce que pensent les gendarmes? C'est ce que pensent les gendarmes, c'est ce qu'ils tirent aussi du récit qu'a pu faire Patricia à ses amis, qui dit mais il s'est installé à la maison, 3 semaines après il me demandait en mariage, c'est absolument ridicule. Et puis elle a trouvé que cet homme devenait de plus en plus insistant, elle a commencé à vouloir prendre ses distances, il y a eu cet épisode terrifiant où elle se réveille en pleine nuit avec l'électricité coupée dans la maison et un oreiller sur le visage. Et ça entre en résonance avec ce que les gendarmes constatent aussi, c'est que le soir du crime, l'électricité a été coupée brutalement à 21h19, je crois, où tout d'un coup, tout s'éteint, l'ordinateur s'éteint, et on a le sentiment qu'à nouveau, la maison a été plongée dans le noir, et forcément, ça fait écho à ce premier incident qui a eu lieu quelques semaines avant, en fait. Détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, à celle de Nîmes, puis à celle d'Albi, Jean-Louis Kerrou ne va pas varier dans ses dénégations, même si son témoignage va évoluer. Il affirme être l'objet d'une erreur judiciaire. Il n'échappera pas à un procès en cour d'assises. Le 27 août 2014, Jean-Louis Kerrou écrit une longue lettre à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, pour l'exhorter à le remettre en liberté. « Je suis détenu depuis 2 ans pour un crime que je n'ai pas fait », écrit le jardinier. « On utilise tous les moyens pour me faire passer pour coupable ». Une semaine auparavant, Kerrou s'était vu refuser sa libération par la chambre de l'instruction. Le procureur l'avait qualifié de « dissimulateur ». Après 6 mois de détention, il avait complété ses premières déclarations en admettant qu'il était bien passé dans la soirée du 17 août chez Patricia pour l'emmener à une fête de village à Najac. Dans l'allée de la maison, il aurait alors croisé un utilitaire blanc, un Citroën C15, qui quittait précipitamment les lieux, tout phare allumé. Il aurait trouvé la demeure fermée, la lumière coupée. En entrant, il aurait tâtonné avec sa lampe frontale, manipulé l'interrupteur et touché à plusieurs reprises un liquide poisseux dont il s'apercevra que c'était du sang. Il n'aurait pas appelé les gendarmes car il savait qu'il serait immédiatement considéré comme coupable. Les enquêteurs et les juges estiment que le jardinier ment. Ils affirment que c'est lui et lui seul qui est entré dans la maison, a coupé le courant à 21h28 précise alors que Patricia écoutait Aretha Franklin sur son ordinateur et il lui a sauté dessus. Le 23 mai 2016, Jean-Louis Kerrou comparaît devant les assises de l'Aveyron à Rodez. Il est bien décidé à répondre à toutes les questions. Il martèle qu'il est innocent. Innocent, répète-t-il. Les accusations, il les qualifie d'embrumage. La tante de Patricia Wilson, Patricia Fornig, fait état de confidences de sa nièce. Selon elle, Jean-Louis était un amant possessif et autoritaire qui lui donnait des ordres. La relation s'était dégradée et elle avait rompu. Il n'y a rien dans ce dossier dont
donc il faut trouver quelques broutilles et à cause de ça, je serai enfermé à vie, déplore l'accusé. Kairou affirme encore qu'il faut tout faire pour retrouver Patricia. On verra bien alors qu'il ne l'a pas tué, l'accusé ajoute. Pendant que nous parlons, pendant tout ce temps, celui qui a commis le crime parfait, il est tranquille. Son avocat, Maître Lévy, indique qu'il n'y a rien de pire pour un avocat que de défendre un innocent qui se défend très mal et fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Après 6 jours d'audience et 4h30 de délibération, Jean-Louis Kairou est condamné à 30 ans de prison. François Barrère, journaliste au Midi Libre, vous avez suivi ce procès. Quel visage montre l'accusé? Quel visage découvrez-vous? On découvre un visage, notamment par rapport à dans ses relations avec les femmes, qui va peser lourd, je pense, dans la décision des jurés. Les experts psychiatres le décrivent comme ayant une personnalité psychopathique et perverse. Il relève qu'il n'a aucun affect, aucun sentiment, exprimé aucune émotion quand il l'interroge. Mmh. Et puis on va avoir son ancienne épouse et d'autres anciennes compagnes qui vont venir raconter que c'est un homme qui est très porté sur le sexe et qui a une volonté d'humilier les femmes et qui a un rapport violent avec elle. Et ça va dresser un portrait très noir de l'accusé. Ça, ce sont des témoignages qui pèsent lourd. Hein. Effectivement, il y aurait chez lui une obsession sexuelle. C'est ce que disent ces femmes, en quelque sorte. Hein. Absolument. Et notamment sa première épouse qui va dire qu'elle a subi des viols conjugaux répétés pendant les 6 derniers mois de leur relation. À la suite de ça, elle a mis un terme à leur union. Ils avaient 2 enfants ensemble et quand elle lui a dit on divorce, il a dit je divorce de toi et des enfants. Et il n'a plus jamais pratiquement revu ses 2 enfants. Donc c'est il est parti. Il est parti et puis il a coupé court avec ses enfants. Donc ça effectivement on voit une personnalité très dure cachée sous une faconde et sous beaucoup de discours. C'est quelqu'un qui est très volubile, qui parle beaucoup, qui a un sens de la formule d'ailleurs. Il dit j'étais très bon en français, j'aurais pu être avocat au début du procès. Donc effectivement ça marque quoi. Est-ce qu'on peut dire François qu'il occupe le terrain si vous voulez à ce premier procès? Il est là, il est présent, il est ultra présent, il répond à tout, il dénonce des complots, des mensonges, il dit que les gendarmes le manipulent, il essaie de faire porter les soupçons sur Donald alors que Donald on sait qu'il était l'enquête semble avoir établi de façon catégorique qu'il était en Angleterre au moment du crime, donc il fait feu de tout bois pour se défendre et en même temps il a des propos très bizarres comme il avait eu pendant l'enquête à un moment devant la cour d'appel de Montpellier où le magistrat lui avait dit mais voilà votre défense faudrait peut-être que vous y réfléchissiez un peu plus et il a dit si je suis condamné à perpétuité tant pis. Ah oui, voilà. Carrément. Donc ouais. C'est quand même assez, ça laisse perplexe quoi. Oui, il peut être assez cassant comme ça. Hein. Ouais, il est très cassant. Il est très. On sent une violence cachée en fait dans ses propos. Maître Jacques Lévy, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime et vous êtes l'avocat de Jean-Luc Kairou. Vous étiez à ce procès et j'ai cité quelques-uns de vos propos. Vous étiez un petit peu désespéré en disant qu'il n'y a rien de pire de pour un avocat que de défendre quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous disiez à l'époque? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que pour un avocat, il n'y a rien de pire que lorsqu'on défend une personne qui crie son innocence, il faut que dans la démarche de la défense, tout soit cohérent. Bon, en l'espèce, il y avait beaucoup d'incohérences, non pas chez Jean-Louis Kairou, contrairement à ce que vient de dire notre ami journaliste, mais contre l'accusation. L'accusation ne reposait sur presque rien. Il n'y avait presque rien dans ce dossier. Alors, il a fallu faire de Kairou le coupable. Et on a fait de Kairou le coupable, que ce soit d'ailleurs dans la presse ou que ce soit au niveau de la police. Alors, on a voulu avoir ce coupable parce qu'on n'avait pas de corps. Alors maître, j'entends bien, vous êtes son avocat et vous le défendez avec brio et c'est tout à fait normal. Vous dites qu'il n'y a presque rien dans le dossier, il y a quand même beaucoup de sang, il y a des traces ADN, il y a une série d'empreintes, etc. Vous disiez la voiture, normal qu'il y ait des traces ADN dans la voiture. Elle l'a conduisait cette voiture. Donc c'est logique qu'elle ait ses traces. Je pourrais vous répondre à toutes les questions que vous pourriez poser à cet égard. Quand il dit, il avait dit, le sang, il est rentré dans la pièce, il a touché du sang, il n'y voyait rien parce qu'il n'y avait pas d'électricité, ça on n'écoute pas.
On ne peut pas l'écouter. Et... quand on dit qu'il y a une voiture qui est venue pour enlever le corps, et en fait, on a vu une voiture, mais on ne la cherche pas. Oui, le cambriolage, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on est venu chercher autre chose qu'on alors, a oublié. La fameuse histoire du Citroën C15, donc ça, c'est son scénario numéro. Vous savez quelle était la réponse de la police? Il y a trop de séquences dans la région pour qu'on aille chercher s'il y en a une qui a du sang. Ouais. Alors, moi, je veux bien, mais faire condamner un homme, parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire, faire condamner un homme sans vouloir au moins rechercher les indications. La voiture. C'est pas sérieux. Alors, une question encore, maître, parce que ça me turlupine. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas cette version tout de suite, Jean-Louis Cayrou? Parce qu'au début, il dit qu'il n'est pas passé chez elle. Il va falloir attendre six mois pour qu'il dise, voilà, finalement, je suis passé chez elle, j'ai touché l'interrupteur, etc. Pourquoi il n'en parle pas tout de suite? Pourquoi va-t-il lui-même à la gendarmerie? Enfin, est-ce qu'un coupable va se rendre à la gendarmerie alors qu'il n'est pas convoqué? Il va lui-même à la gendarmerie. Alors, quand il arrive à la gendarmerie, il est traité comme Mesrine. On le braque, on le met immédiatement en garde à vue et on l'interroge. Il ne va pas être enclin, alors qu'il venait s'expliquer très calmement, à donner des explications dans un contexte pareil. C'était tout à fait naturel que sa réaction ne soit pas celle qu'on pouvait attendre, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'après, lorsqu'il a donné les explications, on a pu vérifier effectivement avec le téléphone qu'il avait appelé parce qu'elle venait de rentrer d'Angleterre, c'était normal qu'il l'appelle et qu'il est allé la chercher. Il ne s'est pas caché de ces choses-là. Et c'est faux de dire qu'il n'a jamais voulu le dire, c'est pas vrai. Il l'a dit quand on le lui a demandé. Et s'il ne rappelle pas Patricia, si je vous suis dans sa démonstration, s'il ne rappelle parce pas Patricia... Parce qu'il est persuadé qu'elle est morte. Voilà, c'est voilà. Ça, parce la réponse, elle est claire. Parce qu'il s'est retrouvé... Il est persuadé qu'elle est morte. Vu le sang qu'il a trouvé, il dit « elle est morte, c'est même pas la peine que j'appelle. Elle est morte, c'est évident. Il en est convaincu. Mais qui l'a tué, il faut le chercher. Et là, bon, mais malheureusement, il s'est retrouvé tout seul accusé, et seul face à tout le monde. Et je dois dire que les audiences qui se sont déroulées dans ce procès, je suis navré de le dire, ont été des audiences terriblement à charge et très peu à décharge de l'accusé. Très peu. Jean-Louis Cayrou fait appel de ce jugement. Il y aura donc un deuxième procès, seule chance de démontrer son innocence. Reste à savoir quel visage va montrer l'accusé pour tenter de convaincre les jurés. Le 9 avril 2018, Jean-Louis Cayrou prend place dans le box des accusés de la cour d'assises de Montpellier. Ses avocats, maîtres Lévy et Spinner, entendent bien démontrer les faiblesses de l'accusation. Cayrou clame à nouveau son innocence, mais cette fois, il demande que l'on respecte son droit au silence. Il ne parlera pas. Il est toutefois interrogé sur cette lettre qu'il a adressée à la juge d'instruction après sa condamnation à 30 ans de prison. Il écrit alors... Peut-être qu'en août 2016, vers le 17, jour anniversaire de la mort de Patricia, je vous raconterai tout sur cette soirée du vendredi 17 août 2012 pour pouvoir donner la possibilité à sa pauvre mère, Jean, de l'enterrer. L'accusé refuse de commenter ses propos, il reste vague, sans doute s'est-il mal exprimé. Les experts l'accablent, 8 empreintes digitales de l'accusé prélevées sur la scène de crime, un co-détenu est appelé à témoigner, il affirme que le jardinier lui a avoué avoir tué Patricia et avoir jeté le corps dans un fossé. L'accusé explique avoir raconté n'importe quoi après avoir été battu par les prisonniers. Il faut attendre les derniers moments du procès pour que Cayrou réponde enfin aux questions des jurés. Il raconte alors son entrée dans une maison baignée de sang. Il répète « On m'aurait tout de suite accusé. J'ai décidé de partir et attendre qu'on m'appelle. » 14 avril 2018, Jean-Louis Cayrou est à nouveau condamné à 30 ans de prison. La partie civile a déploré son mutisme, l'avocate générale l'a quasiment décrit comme un monstre, après avoir émis l'hypothèse que le corps de Patricia a peut-être été découpé sur place puis jeté dans une déchetterie avec d'autres morceaux de viande. Une peine qualifiée de délirante par les avocats de l'accusé qui n'auront pas pu retourner la situation. Le corps de Patricia Wilson n'a toujours pas été retrouvé. François Barrère, journaliste au Midi Libre, est-ce que le visage que vous connaissiez au premier procès de l'accusé, de Jean-Louis Cayrou, est-ce que ce visage est différent à ce procès en appel? Il est incontestablement différent de la fin du premier procès d'ailleurs, parce que à la fin du premier procès, il avait fait une
soi-disant une tentative de suicide, et puis il était apparu pour les derniers jours de l'audience avec le visage marqué de griffures et le visage complètement sanglanté. C'était une image assez saisissante. Mm-hmm. Là, on retrouve Jean-Louis Kérou avec, un peu avec toutes ses contradictions, c'est-à-dire qu'il dit « je vais faire jouer mon droit au silence », et puis après, au bout d'un moment, il répond aux questions, puis après, il écrit, enfin voilà. On est sur un accusé qui se comporte d'une façon, c'est vrai, assez chaotique en fait à l'audience, et ça aide pas à le rendre crédible. Quels sont les moments qui ont été importants dans ce deuxième procès pour expliquer ce verdict qui est aussi sévère que le premier? Il y a eu des moments où il a perdu pied, où vous avez senti quelque chose qui allait le perdre justement dans ce procès? C'est vrai qu'il y a eu cette prise de parole là, le jeudi soir, je crois, donc au quatrième jour, où il va raconter qu'il est rentré dans la maison, qu'il a tâtonné, que c'est comme ça qu'il a laissé ses empreintes dans le sang, qu'on a trouvé l'ADN ensuite qu'il aurait rapporté dans sa voiture de sa victime. Et là, il est aussi très cinglé. Enfin, il est vraiment repris de volée par l'avocate de la partie civile, quoi, qui Maître Pécheville, l'avocat du compagnon de Patricia, qui lui dit mais je sais pas si j'ai envie de rire ou de vomir. Et on est vraiment sur des moments comme ça très très durs, parce que on sent aussi une exaspération du côté de l'avocat de la partie civile, et également du côté de l'avocat général, qui a l'impression qu'on est face à une espèce de théâtre là où Jean-Louis Kérou, quand il daigne dire quelque chose, va dire quelque chose, de donner une nouvelle version, et tout ça, c'est un spectacle assez sinistre finalement. Oui, mais l'avocate générale qui ne va pas être tendre du tout. Alors elle est dans sa fonction, si je puis dire, mais elle ne va pas être tendre du tout avec l'accusé. Hein. Oui, c'est clair. Et puis d'autant qu'elle pose aussi une question qui est, si on croit la thèse de l'accusation, c'est pourquoi avoir absolument voulu faire disparaître le corps? Tout en laissant les traces, donc on voyait bien qu'il y avait eu un crime, mais qu'est-ce qu'il y avait à cacher sur ce corps? Est-ce qu'elle avait été violée? Est-ce qu'elle a été, elle a subi des violences? Elle a subi des tortures? C'est vrai que le fait, ça, c'est une question légitime aussi qui est apparue dans les débats. Tout à fait. Maître Jacques Lévy, vous êtes l'avocat de Jean-Louis Kérou. Pourquoi votre client décide-t-il de se taire à ce deuxième procès? Parce qu'il en a trop dit au premier? Non, je crois qu'il est dégoûté, qu'il a compris que de toute façon, on ne l'écouterait pas, qu'il a compris également qu'il ne servait à rien d'essayer de donner des explications complémentaires, parce qu'il avait déjà dit, et au cours de l'instruction, et au premier procès, ce qu'il avait à dire, et que, manifestement, ce procès s'est déroulé dans un climat extrêmement hostile à son égard. J'insiste sur ce point, qui n'est pas neutre, qui fait que ça ne l'a pas incité à essayer de donner des explications que personne n'avait envie d'entendre. Mmh. On a essayé avec Spinner de faire tout ce que l'on pouvait pour relever les incohérences invraisemblables qu'il y a eu dans cette enquête. Ces incohérences n'ont pas été retenues ni par les magistrats ni par les jurés. Mmh. C'est dommage, mais ça donne une leçon. Ça donne une leçon terrible, c'est que défendre un innocent est beaucoup plus difficile que de défendre un coupable qui va vous dire « oui, j'ai fait une bêtise et je vais essayer ». Cet homme est condamné à 30 ans de réclusion alors même qu'on n'a pas retrouvé le corps, qu'on n'a pas la preuve absolue que c'est lui le coupable, au contraire, et qu'on est allé chercher des histoires d'oreillers qu'elle aurait raconté à ses amis qui sont venus le raconter pour dire, vous voyez, il avait déjà essayé de l'étouffer. Alors ça, c'est n'importe quoi. C'est un peu choquant. Ce sont les témoignages, effectivement, qui ont été rapportés lors de ces procès. Un mot, maître, sur cette lettre qu'il a écrite au magistrat instructeur après sa première condamnation, où il dit, je vais peut-être tout dire, je vais raconter. Qu'est-ce que ça veut dire, cette lettre? Parce que finalement, on n'a pas le fin mot sur cette histoire. Écoutez, est-ce qu'il a dit quelque chose au magistrat? Non. Non, mais enfin, il fait une promesse quand même. Je crois qu'il était un peu désespéré, qu'il était prêt à n'importe quoi, à tout. Je ne vous cache pas que je n'ai pas du tout compris le sens de cette lettre, très honnêtement. Et je pense qu'il y a eu des moments de désespoir chez lui qui ont fait, je vous dirai peut-être, le corps, mais
C'est comme le témoignage de son co-détenu qui prétend qu'il lui a avoué avoir tué cette femme alors qu'il était amoureux de cette femme et qu'il n'avait aucune raison de la tuer et que le mythe selon lequel elle aurait rompu avec lui ne résiste pas à l'examen parce que ça n'est pas la vérité. Elle était simplement partie en vacances pendant 8 jours en Angleterre, c'est tout. Juste un mot très court, qu'est-ce qui devient en prison votre client aujourd'hui, Jean-Luc Ayroux? D'après mes informations, et j'ai eu du mal à recommuniquer avec lui, je ne vous le cache pas, d'après ce qu'on m'a dit, je crois qu'il s'est réfugié dans la religion et qu'il est très très impliqué dans une recherche religieuse, mais c'est tout ce que j'ai pu avoir comme information, car là aussi, la honte qui a été la sienne de cette condamnation a fait qu'il ne veut plus jamais entendre avoir de contact avec sa famille. François Barrère, vous avez le dernier mot, on arrive au bout de l'émission. Journaliste au Midi Libre, ça demeure un mystère, Jean-Louis Cailloux. Hein, son portrait, on l'a qu'en partie finalement. Oui, on l'a qu'en partie. Et puis l'autre mystère, c'est assez rare d'ailleurs pour être souligné, c'est que les fouilles ont continué entre les deux procès. Les gendarmes ont... Jean-Louis Cailloux, au premier procès, avait évoqué un lieu que Patricia aimait fréquenter, qu'il avait appelé la Fontaine aux Sorcières. Et en fait, dans le village, enfin autour du village, il y a un lieu dit qui s'appelle la Fontaine aux Fées. Et les gendarmes sont allés fouiller entre les deux procès pour essayer de voir si le vrai mystère, c'est... où est passée Patricia Wilson, où est son corps, et ça, clairement, on a le sentiment qu'on ne le saura jamais. Merci beaucoup François Barrère et maître Jacques Lévy d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime, l'affaire Patricia Wilson, une enquête rapide, deux procès, un accusé silencieux et un dossier qui garde encore un goût d'inachevé. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.